Et wesh la Mifa, c'est The Gang YTB. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à devenir extrêmement riche en un temps moindre. Donc, tout d'abord, pour réaliser ceci, vous allez prendre votre map. Vous allez mettre un point de repère exactement à cet emplacement. Donc, c'est à côté de la fête foraine. À cet endroit précis se trouvent des jet skis. S'ils n'y sont pas, vous partez un petit peu plus loin, vous revenez et ils auront spawné. Voilà. Vous allez prendre un de ces jet skis. N'hésitez pas à mettre pause pour voir où sont les jet skis au cas où vous ne savez pas. Vous allez en prendre un de votre choix. Puis vous allez reprendre votre map. Vous allez mettre encore un point de repère. Donc cette fois, vous allez le mettre ici, à peu près là. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause pour voir. De toute manière, je vous montrerai en arrivant où c'est. Et à cet endroit précis, vous allez trouver, comment on appelle ça, une épave. Donc je suppose que c'est une épave de sous-marin ou une épave de bateau qui a coulé. Et dessus, vous allez voir quelque chose de brillant. Et sur cette chose de brillant, et bah, magie, vous allez nager dessus. Et là, plus 25 000. Et vous pouvez vous faire plusieurs milliards en quelques jours. Vous pouvez vous faire plusieurs milliards. Donc voilà. Donc c'est très simple. Mais je sais que des gens, enfin des joueurs, ne le savent pas quand ils commencent et ça peut bien les aider. J'ai oublié de préciser, par contre, ça marche qu'en mode histoire. En mode en ligne, bah ça marche pas. Donc vous allez plonger. Et je vais vous mettre un code de triche, il n'y en a pas besoin normalement, mais on sait jamais. Attendez, excusez-moi, c'est juste un petit peu à côté, je me suis un petit peu trompé. Voilà. Je suis pas allé exactement prendre repère. Voilà. Donc le code de triche, je vais vous le dire oralement, c'est droite, X droite, gauche droite, R1, droite, gauche, X triangle. Donc voilà, vous allez voir donc l'épave qui se trouve ici. Vous allez y aller. Et vous allez devenir milliardaire. Donc normalement dessus, vous allez voir quelque chose qui brille. Donc voilà, vous voyez, il y a la mallette et là, comme vous allez voir, plus 25 000. Et si vous plongez un petit peu plus, vous allez trouver une trousse de pharmacie pour ceux qui n'ont besoin de soins, donc une trousse de soins et des armes aux alentours de cette épave. Donc la Mifa, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez d'autres armes. Normalement, je crois qu'il y en a deux autres. Donc dites-le moi. Là déjà, il y a un lance-roquette. Donc franchement, c'est bien cette épave quand vous commencez le jeu. Ça peut bien vous aider avec tout ce qui se trouve ici. Et donc pour renouveler plus vite cette astuce, donc vous remontez à la surface, bien sûr. Vous changez de personnage, donc moi je peux pas parce que je viens de recommencer le jeu et j'ai que Franklin. Vous revenez sur le personnage, vous replongez et normalement la mallette s'y trouvera. Donc cette astuce marche sur PS4 et sur PS3, sur Xbox 360 et Xbox One. Donc j'espère la Mifa que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like ou même un gros like qui fait plaisir, à partager la vidéo à tous vos potes. Et à mettre un commentaire, ça ferait plaisir. Sur ce, les Amifa, bonne fin de journée et ciao!